Coucou mes canailles, on se retrouve pour l'ouverture de la My Little Box. Est-ce qu'elle est pas canon la boîte? On se retrouve tout de suite pour l'ouverture. Voilà, comme je disais dans la miniature, on va ouvrir la My Little Box. Elle est trop beau là. Des petits hauts. On se présente comme ça. Vous voyez. Toujours avec ce petit ruban de ma little box. Comme ça, ça doit être Bagheera qui fait les bêtises en bas. Laissez la rentrée vous entraîner dans une valse hors mesure. Et au pas du côté surprenant. Avec des petits hauts. On vous invite à innover, créer, dessiner, entreprendre, partager et puis raturer. Vos petits projets comme dans vos grands sauts vers l'inconnu. N'attendez qu'un signe de vous. Prenez garde, cette box pourrait vous donner des ailes. Votre mois de septembre, quelle sera votre aventure? Tout le petit truc là. D'avoir osé rêver, surprendre, buller, recommencer, raturer, dessiner, innover, entreprendre et créer. Voilà, toutes ces petites. Et dans l'autre, comme ça, c'est sauter le pas façon. Oser, ça pourrait être le mantra des fondatrices, des petits hauts qui ont eu l'idée lumineuse. Créer leur marque de maille rêveuse. 20 ans plus tard, la marque n'a jamais cessé de vouloir, de voir la vie en plus jolie et en plus petit. Et avec des petits hauts, tout en poésie. Prête à vous enrouler dans beaucoup de douceur et de la gaieté. À l'occasion de l'anniversaire des 20 ans, des petits hauts vont troquer les bougies pour un nouvel dressing de 100 000 euros de vêtements de petits hauts à remporter. Et vous avez le site. Et derrière, c'est Alts Baby. Le crayon fard à paupières double personnalisé. Un crayon fard à paupières double. Faites glisser les paupières testues. Tapoter au bout des doigts. 99,5 d'ingrédients d'origine naturelle. Nous avons de l'huile de la mica. Je n'ai pas mes lunettes. Et tout dans une petite pochette comme ça. Ma little box. Elle est belle la petite pochette. Dedans vous avez une petite carte comme ça. 50 nuances. Fenty Beauty, j'ai pas de truc de anti-cerne Fenty Beauty. Et l'autre c'est repartir à zéro. Comment je vais ouvrir ça? Ah bah ouais c'est ça Fenty Beauty. Ah bah j'en avais pas, j'en ai une. Mmh. Je vais pouvoir tester, j'en avais pas de chez eux. Oui. Texture. J'en avais pas de chez eux. C'est un concealer. Super pouvoir anti-cerne. Chance sans oublier, anti-retouche, qui couvre parfaitement mais tout en légèreté. Il s'applique en 2 secondes, mais on tient toute la journée et toute la soirée. Et se décline en 50 nuances pour s'adapter parfaitement à votre teint. Bref, aucune babe dans un coin. Pas mal, bon, j'ai eu celui-là, je crois. Celui-là. C'est pas mal ça, je savais pas qu'il y avait ça dedans. Et vous voyez, quand on l'étale, ça fond carrément bien.
Je pense que ça irait bien ma peau celui-là. Ben, l'autre, c'est repartir à zéro. Kérastase. Soin nutritif, concentration, inception pour cheveux sèches. Jamais essayé cette marque. La texture est comme ça, j'ai oublié de vous la montrer. Allez, texture crémeuse et tout. Elles sont vraiment bonnes. Sage. Pour cheveux desséchés, très sensibles. Pour cheveux épais. Et ben là c'est marqué sans rinçage et là c'est marqué avec rinçage. Je sais pas trop. Je ne sais pas tout. Je suis. Comment ça marche? Voilà pour ce petit produit Kérastase nutritif qui est vraiment canon, canon, canon. Après, dans la trousse, nous avons un petit crayon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Qui était ici, le crayon double embout en fait. Nous avons un embout gris, un an. Oh, il est vraiment beau, vraiment belle cette couleur. C'est ça fait, vous voyez, rose gold. Voilà, je cherchais. Et de l'autre côté, ça fait les couleurs. Arriver à voir cette couleur, ça fait celle-là. Regardez, ça bizarre la couleur, le rouge, ça rend mal à la caméra. Celui-là, c'est ça. Couleur vraiment clair. Et ça, c'est pour les yeux, baby. Il m'a pas ah ouais, top nacré et or blanc, c'est marqué là. Je sais pas si vous avez bien voir. Non, vous n'allez pas voir. C'était marqué là, mais vous n'allez pas voir. Voilà pour ça dans la petite boîte. Le truc, c'est vraiment, j'ai eu ça aussi. C'est la broche hors sentier battu. Ouh, ça va être canon. Trop belle la broche. Toute petite pailletée. Ça fait un peu la couleur de celui-là. Voilà pour ça. On s'y frotte, on s'y pique, enfin, surtout sur nos pulls, vos vestes et tous vos accessoires, cette broche dorée, fleurie. Vos tenues les plus délicates et réservées sur un bouquet final, se prenant une touche de fantaisie à portée de votre cœur. Dans une petite boîte comme ça. Donc on referme. Comme ça. C'est trop trop joli. Cette petite broche, elle est trop trop mini. Et c'est vraiment ouais. Je sais pas comment ça s'appelle ça, ce tissu là. Ouais, c'est fait main hein, parce que tu vois les petites coutures ici et là, elle est vraiment canon. À côté de mon petit ourson, et après nous avons le prêt-à-porter comme ça. Le prêt-à-porter nous a ce compagnon sait faire face aux billets froissés, cartes, même les trésors de vacances. Il garde un œil sur tous les essentiels que vous puissiez vous concentrer sur les petits projets. Voilà pour ça. On va l'ouvrir. Derrière, vous voyez, prête à tout. On va l'ouvrir avec vous pour voir ce que c'est. Hop, vous voyez,
Je l'ai ouvert à l'arrache. Je l'ai mal. Ça l'a mal. Voilà. Top. Ouh. 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 Est-ce qu'il est pas canon cette couleur? Fermé. Pas canon cette couleur. Ce petit bouton doré là. Et toujours cette couleur. Pour mettre la monnaie. La petite carte, les billets ici, les cartes. La monnaie ici, là on peut mettre des billets aussi. Pour les petits pas ou les grands sauts. Il est vraiment canon. J'adore cette couleur. En fait, c'est la couleur du truc que je vous disais là. La couleur de la broche. Vous voyez ? Vraiment beau. Avec le petit sac qu'on a reçu de cette gamme aussi. Je ne sais pas si vous en rappelez. On a reçu ce. Il est vraiment canon. Et ben, la box là, je crois que c'est la box que je préfère. Bon, ben voilà, ben, je vais vous laisser avec ça. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous mes canailles. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Bisous. Et la prochaine fois, je ferai peut-être un maquillage avec les produits des box que j'ai reçus. Voilà pour ça. Bisous mes canailles. Coucou mes beautés, on se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. On se retrouve tout de suite avec la vidéo. Coucou mes beautés, bon, ben on se retrouve pour la quatrième prise. On va y arriver, je vous le dis, on va y arriver. Je vais reculer un peu la chaise. Venez ici, peut-être que vous me verrez mieux. Voilà. C'est la quatrième prise. J'arrête pas d'oublier des choses, de rajouter des choses et tout. Alors j'espère que cette fois, ça va être la bonne pour la fin de la vidéo. Bon. J'étais en train de dire que on va passer aux produits que j'ai eu dans les box et un Max & More que j'ai eu à Action et un d'AliExpress et voilà. Parce que là, je l'ai eu dans les box. On va commencer par AliExpress. J'avais eu cette petite miniature. Je pensais que c'était plus grand quand je l'ai acheté. Et non, en fait, c'est tout petit et la texture, elle était comme ça. Vous voyez ? Comment elle était, la texture, elle était pas mal. Bon, elle était pas mal. Mais, c'était pas ma couleur. Regardez. Bon, ça se voit pas trop, la vidéo. C'est en plus, il y a le soleil qui vient d'arriver. Merci, soleil. Ça, je rachèterai pas. C'est mort, je rachèterai pas. J'ai acheté ça chez Max & More, à Action, à 0,90. Ça, c'était, celle-là, elle était pas mal, je rachèterai elle. C'est une poudre comme ça. Et on va venir, hop, là où j'ai mis le correcteur. Celle-là, elle était pas mal, si je la retrouve, je la reprendrai chez Action. Elle était vraiment pas mal et elle était pas chère en plus pour une poudre fixatrice comme ça, translucide. Elle était topissime. Bon, on va passer aux choses que j'ai eues chez dans les box, ma little box et ma box. C'était quoi l'autre? C'est quoi l'autre box? J'ai déjà en plus la vidéo, elle est déjà en ligne si vous voulez aller la voir. Ça me fera plaisir. Et je voudrais remercier aussi les nouveaux abonnés qui sont venu sur ma chaîne. On va parler du liner bleu que j'ai eu chez dans ma box, ma beer box, voilà, dans ma beer box, j'avais eu ce crayon bleu là, mais j'ai pas aimé.
En plus, deux appliques, deux tri, le truc s'est cassé, tout, j'ai pas aimé, et puis je rachète. Même si il aurait été bien, je ne l'aurais pas racheté. Et surtout que ça vient de chez Yves Rocher, et les produits de chez Yves Rocher, je suis allergique, à part les gels douche. Le reste du maquillage, c'est pas la peine. J'avais eu dans ma little box beauté une lotion démaquillante au thé vert. Ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Je sais même pas si le. Il n'y a pas d'odeur. Non, c'est même pas le thé vert. Et il faut en mettre pour arriver à démaquiller. Ça, j'en rachèterai pas, c'est clair. Ça, si je me la retrouverai, si je me la retrouve, celle-là, je la reprendrai parce que elle était canon. Elle, j'ai bien aimé. Que ça soit la texture, comme ça soit le. Ah, il en reste encore un petit peu, mais vraiment, parce que. Et puis, une odeur. Oh, ça me faisait fondre à chaque fois que j'en mettais. Vous voyez? Elle pénètre bien, elle colle pas la peau comme certains crèmes qu'on met sur le visage. Celle-là, elle était vraiment canon. Et elle pénètre bien, 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 bien. Voilà pour ça. Ça fait la peau douce et puis une odeur. Cette odeur, je vais la regretter parce que elle sentait vraiment bien. Bon. Après, on a deux trucs pour les cheveux. Nous avons un shampoing qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Il me semble que c'était dans la beer box. Si je dis pas de bêtises, c'était dans la beer box. On avait eu ça, c'était un shampoing. Cette odeur. Il reste une petite goutte là. Mais cette odeur, elle est vraiment. C'était vraiment agréable cette odeur sur les cheveux. C'est dommage que c'était pas plus grand. C'était un 30 ml. Pourtant, j'ai fait trois lavages avec mes cheveux. Parce que j'avais juste le crâne. Mais ça, si j'arrive à me la retrouver, je la reprendrai parce qu'elle était vraiment bien sale. Après, nous avions aussi ça. C'est un roucoule, de l'huile de roucou. Traitement de beauté multi. Édifice. Bon, je ne le lirai pas derrière parce que c'est vraiment un tout petit. Mon téléphone ne fait pas. Ça, c'était bien aussi. Je mettais sur mes cheveux. Tout type de cheveux. C'est au typique capelli, je sais pas quoi. Mais c'est vrai que celle-là, j'aimais bien. La puce. La puce. Ça, c'est pareil. Si j'arrive à me le retrouver. Je me la reprendrai volontiers. Après, on va parler des produits de chez Younique. J'ai fini mon fond de teint pour la jeune de chez YoYo. C'est le Helvet. Il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Dommage qu'il n'y en a plus. Et en plus, les produits Younique, vous êtes satisfait ou remboursé. Coucou mon loulou. Regardez. Vous voyez comment il est top ce fond de teint. Puis ils sont bons et puis c'est les fonds de teint que j'adore. Que j'adore. Je vais essayer de les laver. Si j'arrive à les laver, je garderai pour mettre de l'huile dedans ou des trucs comme ça. Voilà pour le fond de teint Younique. Il est garanti. 12 mois, on peut le garder 12 mois. Et si la teinte ne vous va pas, vous appelez le support, on vous rembourse, on vous renvoie la teinte de votre cours. Après, quand j'ai commencé chez Unique il y a 2 ans, j'avais pris le. C'était mon chéri qui m'avait payé le kit, et il m'avait pris le kit de soins. On n'avait pas pris le kit de maquillage, on avait pris le kit de soins. Oui, mon loulou. Et en fait, il a fallu que j'achète
La base pour les yeux, 31,50 € et ça dure vraiment vraiment longtemps parce que ça va faire 3 ans que je suis chez Unique. Et la base, je l'ai gardée plus de 2 ans, plus d'un an et demi. Et on peut le mettre aussi sur les lèvres. Vous mettez ça, vous mettez votre rouge à lèvres et ça tient beaucoup plus longtemps. Voilà pour ce petit produit là. Et tellement qu'il était trop bien, mais je l'ai racheté, bien sûr. Après, avant de mettre ma crème chouchou d'amour que j'aime, je mettais le sérum de chez Unique. Pareil, avec les boosters qu'on marque ici. Moi, je ne les ai pas marqués, mais on peut marquer les boosters ici. Ça, c'était vraiment bien. C'est pareil, c'est à pompe. On peut nettoyer le petit flacon et le garder ou remettre un autre produit de sérum ou de l'huile qu'on achète et tout. On peut le remettre dedans. Ça, top, j'adore ce produit Unique. Bagheera, t'es où? Bagheera, viens là. Et l'autre qui est pareil, c'est un petit flacon, mais je l'ai depuis que je suis rentrée chez Unique. Pareil, ça c'était dans ma mallette de soins, ça s'y était. Et c'est une odeur. Vous allez me dire, c'est de l'eau de rose. Hein. Mais ça, moi, je le mettais sur mes cheveux. Et ils étaient vraiment beaux, mes cheveux, avec ça. Je sais pas si vous avez vu, j'ai les cheveux longs, quoi. Je mettais ça sur mes cheveux, c'est topissime. Ça, c'est pareil, je rachèterai, mais le packaging a changé. J'ai fini les lingettes de bébé Ubiz que j'achète chez Action. Ceux-là, je les aime bien. Je rachète tout le temps, de toute façon. Ceux-là, ils sont vraiment topissimes. Des lingettes que j'ai achetées, il me semble que c'est à Leclerc que j'ai acheté ça. Il me semble que c'est à Leclerc, je ne suis pas sûre. Dites-moi ça en commentaire si vous savez, mais il me semble que je l'avais acheté ça à Leclerc. Et ça, c'était une odeur. C'était à l'aloe vera. La fac, j'ai fini. C'est un gel douche que j'avais acheté au Lidl. Ça, ben, j'aime pas trop. Bon, le fruit caramel et tout, sublime, mais la mousse, on en parle ou pas de la mousse? Hein? Même les petits n'ont pas aimé. Hein. Je rachèterai pas ce produit là. Mon chéri a fini. Je vous ai dit ça. Water Shoulder. Je vous ai dit, il est amoureux de ce shampoing. Il ne peut pas s'en passer. On a fini le gel douche Ushuaïa. C'était l'huile de mon œil. Oh, l'huile de mon œil. Oh, l'huile de mon œil. J'adore cette huile de mon œil. Bagheera. Ça, je rachèterai parce que l'huile de mon œil, c'est mon. Mon kiff, l'huile de mon œil, pour l'été, pour sentir bon et tout. Là. C'était nouveau, en plus, Ushuaïa, Polynésie, Bagheera. Après, mon chéri, il a fini. Le brut, comme ça. Je crois que c'est, ouais, je crois que c'est la deuxième bouteille qui a fini. Il a fini le noir aussi, comme ça. Et là, le vert. Le noir, je ne sais pas où il l'a mis. Il a dû le jeter lui-même à la poubelle. Après, un autre shampoing qu'on a fini. Je ne sais même pas si c'est un shampoing ou un gel douche. Moi, ça a l'air d'être un gel douche. C'est celui-là, non? Mais c'est pareil, je crois qu'on le retrouve à Leclerc, ça. Ananas et noix de coco. Anna de la rêve. La rêveuse. Anna la rêveuse. Je n'avais pas vu qu'il y avait. Ça sent bon, t'as qu'à. Ça sent bien la noix de coco. On me croit rêveuse, mais en réalité, je suis créative dans l'âme, observatrice. Je m'inspire de tout ce qui m'entoure pour créer beaucoup de choses en moi-même. Confectionner mes propres accessoires, mode déco, DIY. Il n'y a plus de secret pour moi. C'est un état d'esprit. Et pour laisser libre cours à mon ami imagination, Bagheera, sous la douche, appréciez la douche de notes exotiques et parfumées. C'était tout à fait moi.
Pourtant, elle m'appelle pas Anna. Et un truc que j'ai adoré, mais que je retrouve plus chez Action, c'est celle-là. C'est un air fresh. Ça sentait le... Quand, l'encens. J'adore que ma maison sente l'encens. Mais là, ça sent plus l'encens. Je retrouve plus en plus. C'est d'autres parfums, mais pas l'encens. Voilà pour ma vidéo produit terminée. Bientôt, je ferai un haul AliExpress. J'ai commandé des trucs pour mes ongles. J'ai commandé du vernis. C'est du vernis que j'adore. Si j'arrive à trouver la boîte, elle n'est pas là, je crois. Ah ouais, c'est parfait. C'est du vernis comme ça que j'ai commandé. Ces petits flacons. Vena Luisa. Et j'en ai d'autres qui doivent arriver de chez Indigo. Ongle 24 et l'autre c'est quoi? D'un autre site aussi. J'attends ça. Mais je vous ferai. Si ça arrive tout en même temps, je vous ferai les vidéos en même temps pour les ongles. Ou sinon, je la ferai. J'essaierai de la faire. Et je voulais vous dire aussi que j'avais acheté ça. Chez Action, vous avez des petites comme ça avec des couleurs différentes, vous voyez. Tout ça, je les ai eu à Action pour moins d'un euro. J'ai acheté deux paquets. Je vais vous montrer comment c'était. Je vais vous dire ça. C'était emballé comme ça en fait. Le premier glitter comme ça, vous voyez. Et le deuxième comme ça. Et ça, 0,90 chez Action, si vous voulez aller voir. Ça vaut vraiment le coup. Et puis les paillettes. Vraiment les paillettes. Hein? Hein? Nous avons le violet, le noir, le noir paillette là. Oh, ça va être trop beau, j'ai trop envie de refaire mes ongles. Nous avons le blanc là. Le bleu là, le bleu là. Est-ce qu'il est pas beau ce bleu là? Il y a le bleu, nous avons le vert. Le jaune, l'orange pour l'automne, l'orange, le rouge pour l'automne, voilà, et j'ai racheté ça, ça vous devez le savoir, c'est Action 6, c'est 0,90, et ça pour faire les dégradés, et c'est vraiment le top. Enfin, dégradé, ça fait pas de marque sur les produits, sur le vernis. Je vais essayer parce que moi j'ai testé ces petites éponges, mais vous voyez c'est en forme de glace en fait, c'est des pousse-pousse, voilà. Et c'est vrai, sa texture elle est vraiment dure. Je vais essayer de me faire un dégradé avec ça et mettre les paillettes. Voilà, je vous ai montré et ce que j'ai pris chez Action. Ah oui, j'ai pris ça aussi chez Action. Mais il faut que je prenne une élastique pour l'accrocher. C'est mon album. Et là-dedans, vous avez toutes les... Bon, ça, c'était des... Là où je mettais mes couleurs. Vous avez toutes mes pochettes. Allez, comme ça. Là, les flammes. Tout ce que vous voyez, tout mis là-dessus, les dentelles, les bouts,
Ça, c'est des... Mais comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Dites-moi. Oui, tout petit, là. Ah, j'ai pas le nom. Si vous avez le nom, ça serait bien de me mettre en commentaire. Ça serait gentil. Voilà. Ça me fait un petit album où je peux mettre tous mes autocollants dedans. Au moins, ils ne traînent pas partout et je sais où ils sont. Voilà pour ma vidéo. Bon, ben, je vais vous laisser. Je vous fais un bisou. Je vais ranger un peu mon bordel, j'ai fait tomber. Voilà, voilà. Je vous fais un bisou et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous mes canailles. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et je vous dis bon week-end à tous. Merci à mes abonnés. Merci. Leïla qui va me regarder, je suis perdue. Vous voyez mon rouge à lèvres, il est sans transfert. Il est sec, presque. Presque. Allez. Bisous.